Now, the last thing that I want to share with you today. La dernière chose que je veux partager avec vous, we give out some books, avant de distribuer des livres, as a gift to you, en tant que comme cadeau, and after which you can buy books, et après lequel vous pouvez aussi acheter d'autres copies, d'autres livres. This wonderful, important subject called the anointing. C'est un sujet merveilleux et très important qui est l'onction. Catching the anointing. Recevoir ou attraper l'onction. Wow. Everybody, tout le monde, must catch the anointing. Doit recevoir une onction pour sa vie. Now, what is the anointing? Quelle est l'onction? The anointing is the ability. L'onction, c'est la capacité to do the work of God. De faire, à faire l'œuvre de Dieu. Nobody can do the work of God with his own strength. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu dans sa propre force. Because everybody is ordinary. Parce que tout le monde est ordinaire. Everybody eats. Tout le monde mange. Everybody urinates. Tout le monde urine. Everybody poopoos. Tout le monde fait caca. Everybody bleeds. Tout le monde saigne. Everybody passes gas. Tout le monde passe le gaz. Oui. Oxygen. L'oxygène. Everybody. Bête, merci. Tout le monde. Do you do the things I have just est-ce said? Que lift your tout le monde ici, est-ce que vous faites ce que je viens de dire? Yeah. So what power do you have? Donc, qu'est-ce que vous avez? You have nothing. Vous n'avez rien. You cannot heal anybody. Vous ne pouvez guérir personne. You cannot build a church. Vous ne pouvez pas construire une église. Why should anybody listen to you? Pourquoi est-ce que les gens vous écoutent? Why? Pourquoi? Should somebody listen to pourquoi you? Pourquoi quelqu'un devrait t'écouter? There's no reason. Il n'y a pas de raison. But I have a good reason today. Mais j'ai une bonne raison pour vous aujourd'hui. That reason is the power of the Holy Spirit. Et cette raison, your life. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est the sur vous. The power of the Holy Spirit. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. When the anointing is on you, quand l'onction est sur vous, you become just like Jesus. Vous devenez comme Jésus. Because Jesus took on the form of a man and became an ordinary man. Parce que Jésus a pris la forme d'un homme ordinaire. And everybody knew him to be a carpenter. Et tout le monde le connaissait en tant que charpentier. Yeah. There are so many houses in Jerusalem that Jesus roofed. Il y a beaucoup de maisons à Jérusalem que pour lesquelles Jésus a construit le toit. So many doors and windows that Jesus fixed in Nazareth. Il y a beaucoup de portes et de fenêtres que Jésus a fabriquées à Jérusalem. He must have started his carpentry from the age of 18. Peut-être il avait commencé à travailler en tant que charpentier depuis l'âge de 18 ans. But when he was about 30 years old. Mais quand il avait à peu près 30 ans, he went for a revival meeting in John the Baptist church. Il est parti assister à un réveil dans l'église de Jean-Baptiste. There was an altar call. Il y avait un appel à l'autel. If you are here, si tu es là, and you want to repent, et tu veux te repentir, come, viens. And Jesus went forward. Et Jésus s'est allé devant. And he went for baptism. Et il est parti pour le baptême. Wow. Wow. And when John baptized him in the water, et quand Jean l'a baptisé dans l'eau, and he came out of the water, il est sorti de l'eau, suddenly, tout d'un coup, a dove, une colombe, came from heaven, est descendue du ciel, and stayed on Jesus, et restée sur Jésus. John the Baptist saw it. Jean le Baptiste l'a vu. Il a dit quoi? This is the person I have been told about. Mais c'est la personne dont on m'a parlé. The one upon whom you see the Spirit. Celui sur lequel l'Esprit descend and descending and abiding, et reste. That is the Messiah. C'est lui. Wow. From that day, et depuis ce jour, Jesus went to his carpentry shop, Jésus est parti dans son bureau. Tools, il a fermé tous les outils and gave it back, et il a retourné à son père. Bye bye. Il a dit au revoir. I'm going to the ministry. Je pars dans le ministère. And then he went to the first synagogue. Et il est entré, and he took a book and he started reading it. Il est entré dans le premier synagogue, il a pris un livre, il a commencé à lire. And he told them, the Spirit of the Lord is upon me. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Because he has anointed me. Parce qu'il m'a oint.
And from that time, et à partir de ce moment, started to do miracles. Il a commencé à faire des miracles. This is what is going to happen to you. C'est ce qui va vous arriver. There will be a day. There will be a day. Il y aura un jour. There will be a time. Il y aura un temps. When the dove, the Holy Spirit will come upon you. Où la colombe, le Saint-Esprit va tomber, descendre sur vous. And when that happens, et quand ça va arriver, from that time, à partir de ce moment, from that time, à partir de ce moment-là, you will start to do miracles. Vous allez commencer à faire des miracles. Many years ago, il y a plusieurs années, I was in France. J'étais en France. I was praying. Je priais. I was waiting on God. J'attendais Dieu, j'espérais and as Dieu. I lay in my bed, et alors que j'étais couché sur Holy le lit, Spirit said to me, le Saint-Esprit m'a dit, I have given you a healing anointing. Je vous ai donné l'onction de guérisseur. I tell you, oui, je vous le dis. And I can see that healing anointing in my life. Et je vois cette onction de guérir I sur see ma the vie. Power of God. Je vois la puissance de Dieu. Yeah. Oui. Yesterday somebody was telling me. Hier quelqu'un me disait. He said there was a lady in Conakry. Il y avait une femme à Conakry. You were telling me about a lady in Conakry. The lady went to a shop. Il y a une dame qui est entrée dans where is, un. Where is that lady, Olivia? Est-ce que cette where dame is là? Lady? Where is that lady? Anne est là. Yeah, come. Venez. She was telling us a testimony yesterday. Elle donnait son témoignage hier. So, Olivia, help her to tell the story. She went to print the Healing Jesus T-shirts. Okay. Tell us, tell us the story. Ce qui passé. La femme qui a fait les t-shirts, si elle est là. Tell us the story. Just tell us the story. Ah, voilà, okay. La dame. Venez vite. Celle qui est, c'est elle qui a fait les t-shirts. Elle a un témoignage. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, madame. Venez vite. Somebody just walked into the printing press. Quand elle était sur le point, elle était en train d'imprimer les t-shirts. And said, "This man, do you know him?" Quelqu'un est entré dans la presse et puis elle a la personne a demandé, "Mais tu connais cet homme?" Oui. Et quand je suis allée à Conakry pour confectionner ces t-shirts, et quand je suis venue avec l'échantillon, c'est Kumba Avian que tout le monde connaît, une chanteuse. Kumba Avian, there was, Chungino. When I went to print the t-shirts, there was a woman, a singer. Kumba Avian. Kumba Avian. Elle m'a dit directement, elle dit, ah, que vous faites les t-shirts là she pour said, quoi? Ah, you, what are you doing the t-shirts for? J'ai dit que c'est l'homme de Dieu qui doit venir à Gegedu. And I said that the man of God is coming to Gegedu. Ah, il doit venir à Gegedu. And she said, he has to come to Gegedu. J'ai dit, oui, il doit venir à Gegedu du 27 au 28. Yes, he's coming from the 25th to the 28th. Directement, 27. Elle a dit, sa maman était là-bas. Elle était avec son mari. Her mother was there with her husband. Elle me dit, tante, tu vois mes pieds, j'ai fait 3 mois, je ne pouvais pas me lever. She said, you see my knees, for 3 months I could not walk. Et quand j'ai vu, quand le monsieur est venu à Conakry, c'est grâce à lui que maintenant que je n'ai plus mal aux pieds. And that man came to Conakry and because of him today I don't have any pain in my legs. I can walk. Et directement, elle a été la première à acheter 2 t-shirts de couleur bleu-blanc. She bought 2 t-shirts immediately, 2 t-shirts, black, blue and white. Elle voulait même venir à Gegedu ici avec son mari. She wanted to come here to Gegedu with her husband. Mais je lui ai dit que le pasteur a un programme à Kindia, à Kisidougou et à Kankan. Au lieu de venir à Gegedu, mieux vaut venir à Kindia. So I told her that he's also going to Kindia, Kisidougou and Kankan, but it would be better to go to Kindia. Et Kumba Avian, elle est à Matoto. And Kumba Avian, she lives in Matoto. Et beaucoup de personnes vraiment ont donné des témoignages ce jour. And lots of people gave their testimonies that day. Je vous remercie. Thank you very much. Wow. Wow. Hallelujah. Hallelujah. So you see, donc vous people voyez, are healed. Les gens sont guéris. And can testify later. Ils peuvent témoigner plus tard. Wow. Wow. So that anointing, donc cette onction, is going to come upon your life. Va tomber sur votre vie. Amen. But that is why I'm teaching about how to catch the anointing. C'est pourquoi je vous enseigne comment l'attraper, le recevoir pour vous-même. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Do you want the anointing? Est-ce que vous désirez l'onction? That is why I wrote the book
steps to the anointing. C'est pourquoi j'ai écrit le livre Les étapes menant à l'onction. Do you want the anointing? Est-ce que vous voulez l'onction? Oui. Only the people at the c'est back. C'est juste want les the gens anointing. Derrière, pas les pasteurs. This group here does not want that. Les pasteurs from, ne veulent pas. From around there. That donc à partir. These are pastors. Hallelujah. Hallelujah. There are many ways by which you can receive the anointing. Il y a plusieurs manières par lesquelles vous pouvez recevoir l'onction. But one of the great ways you can receive the anointing. Une des meilleures manières is by listening to preaching. C'est par en écoutant les prédications. In Acts 10:44, the Bible says Peter, as Peter preached, the Spirit fell on them. Et Acte 10:44 dit alors que Pierre parlait, l'Esprit est tombé sur eux. Wow. Wow. How many want to be listening to preaching and the power of God will fall on you? Combien veulent être en train d'écouter les prédications et l'esprit et la puissance de Dieu va tomber sur eux? That is what is going to happen to you. C'est ce qui va vous arriver. That is why I made this thing called Le Macanin. C'est pourquoi j'ai créé ce produit qui s'appelle Le Macanin. Because that is what happened to me. C'est parce que c'est ce qui m'est arrivé. I was listening to audio tapes. J'écoutais des messages par audio. Always I was listening. J'écoutais toujours. Always I was tout listening. Le temps j'écoutais. And one day, et un jour, I was in a town called Suhum. J'étais dans une ville qui s'appelle Suhum au Ghana. When I was in medical school. Quand j'étais à l'école de médecine. In 1988. En 1988. And that night, et cette nuit, I was praying. Je priais. I was praying. Je priais. But I fell asleep. Mais je me suis endormi. On my knees. Sur les genoux. On my knees. Sur les sur les genoux, à genoux comme come ça. This way. I fell down on my knees. J'étais comme ça. À genoux. And I was praying. Et je priais. And I fell asleep. Et je me suis endormi. But I woke up. Mais je me suis réveillé. At 2 a.m. À 2 heures ou 3 heures du matin. And the tape was playing. Et la cassette jouait. Was playing. La jouait. There was a man I always listened to. C'était un homme que j'écoutais toujours. Suddenly, tout d'un coup, something jumped out of the tape. Quelque chose est sauté de la magnétoscope. And entered my belly. Entré dans mon ventre. And I heard a voice. Et j'ai entendu une voix. And the voice said, et la voix a dit, from today, à partir d'aujourd'hui, you can teach. Tu peux enseigner. From today, à partir d'aujourd'hui, you can teach. Tu peux enseigner. In 1988. En 1988. It happened to me. Ça m'est arrivé. And I heard another voice. Et j'ai entendu une autre voix. Said, I will prove it to you. Qui m'a dit, je vais te le prouver. At that time, à ce moment, I had a small church. J'avais une petite église. In a classroom. Dans une salle de classe. Yeah, in a classroom. Dans une salle de classe. I was a student. J'étais étudiant. With a church. Avec une église. Of students. Remplie d'étudiants. In a classroom. Dans une salle de classe. But when the anointing came mais quand l'onction est tombée sur moi, that little church cette petite église has grown a grandi into more than 1,000 different churches. Et maintenant, nous sommes plus de 1,000 églises différentes. Wow. Wow. So, the anointing. Donc l'onction. That is why this is the most important gift I can give to you. Donc ça c'est le cadeau le plus important que je peux vous donner. And I will encourage you. Je vous encourage. Especially if you are a young tree. Surtout si vous êtes un jeune arbre. Because an old tree cannot be bent. Parce que un ancien arbre ne peut pas se plier. Yes. When you are a young tree. Mais quand vous êtes un jeune arbre, you can bend like vous this. Pouvez vous plier comme ça, like comme ça, bend like this. Comme ça, bend like that. Comme ça. But when you are old, mais quand vous êtes vieux, à peine vous pouvez. You cannot bend. Vous pouvez. Difficilement vous pouvez vous plier. When you are young, mais quand vous êtes jeune, you can learn something vous new pouvez apprendre des nouvelles choses. For your ministry in Guinea. Pour votre ministère en Guinée. I came to tell you, Guinea does not belong to any other religion. Je suis venu vous dire que la Guinée n'appartient à aucune religion. Non. Non. Jesus is Lord of Guinea. Jésus-Christ est Seigneur de la Guinée. Jesus is Lord of Guinea. Jésus-Christ est Seigneur de la Guinée. Jesus is Lord of Guinea. Jésus-Christ est le Seigneur de la Guinée. And God is going to need a lot of pastors. Et Dieu aura besoin de beaucoup de pasteurs. Every young man, listen to me. Jeune homme, écoute-moi. I was 25 years old. J'avais 25 ans. 25 years old. 25 ans. When the Lord anointed me. Quand le Seigneur m'a oint. 25 years ago. Il y a 25 ans de cela. Yeah. Oui.
It's been 25 years. Il y a 25 ans. Of ministering. D'exercer un ministère. With that teaching anointing. Avec cette onction d'enseigner. Yeah. And now. Et maintenant. The anointing is so much on my life. L'onction est tellement forte sur ma vie. People are calling me from all over the world. Les gens m'appellent de partout le monde. Every day I am begging. Tous les jours, je supplie. I cannot come. Je ne peux pas venir. Yesterday, I slept at 4 a.m. Hier, je me suis couché à 4 heures du matin. Because I was on the phone to America. Parce que j'étais au téléphone avec les États-Unis. Negotiating my way out of coming to America. I don't want to go there. J'étais en train de négocier un moyen de sortir d'un voyage aux États-Unis parce que je ne veux pas y aller. Je me suis couché à 4 heures du matin. Talking on the telephone to Americans. Je parlais au téléphone avec un Américain. Who wants me to come there? Qui veut que je vienne là-bas? I said, I cannot come. J'ai dit, je ne peux pas venir. You see, when the anointing is on your life, voyez quand l'onction est sur votre vie, you will not even have enough time to preach. Vous n'aurez même pas assez de temps pour prêcher. When you are not anointed, quand vous n'êtes pas oint, the ministry will be very difficult for you. Le ministère sera difficile pour vous. I always tell people something. You have to get the anointing. Je dis toujours aux gens, il faut vraiment avoir l'onction. Yeah. Oui. You see, when Elisha worked with Elijah for some time. Vous voyez quand Élisée a marché avec Élie pendant un temps. He said. Il a dit. When he was leaving, he said, "I'm leaving you." Quand il partait, il a dit, je te laisse, je te laisse. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? From me. Qu'est-ce que tu veux de moi? And he said, "I want the anointing." Il a dit, je veux l'onction. I have learned that everything is from the anointing. J'ai appris que toutes choses passent autour de l'onction. Yeah. Tout est lié à l'onction. Some of you, if Elijah had asked you that. Certains d'entre vous, si Élie vous avait posé cette question. You would have said, I want your chariot. Vous auriez dit, je veux votre chariot. You would have said, oh, I want your ties. Je veux les cravates. You would have said, "Can I have your shoes?" Je vous aurais dit, est-ce que je peux avoir vos chaussures? You say, "Elijah, can I have your house, please?" Est-ce que je peux I avoir? Want to stay in your house, Élie, when you go. Je veux rester chez toi. Je peux avoir ta maison, s'il te plaît. Some of you would have said, "Can I have your iPad?" Quelqu'un aurait dit, est-ce que tu peux me passer ton iPad? Je veux ton iPad. Some of you would have said, "Can I have your mobile phone?" Est-ce que quelqu'un aurait dit, je peux avoir ton portable? Some of you said, "Elijah, can I marry your wife?" Quelqu'un aurait dit, Élie, est-ce que je peux épouser ton épouse? When you die. Quand tu meurs. Elijah was very wise. Élisée était très sage. Are you wise today? Est-ce que tu es sage aujourd'hui? Are you wise today? Est-ce que tu es sage aujourd'hui? I can't hear you. I say, are you wise today? Est-ce que tu es sage aujourd'hui? Are you wise today? Est-ce que tu es sage? You must say, I want the anointing. Il faut dire que je veux l'onction. I want the anointing. Je veux l'onction. I want the anointing. Je veux l'onction. I want the anointing. Je That's veux what l'onction. I want from you. C'est I want a veux. Blessing. I want a blessing. Je I want the anointing. Je veux une bénédiction. Je veux that l'onction. Is all that you need. C'est tout ce dont vous avez besoin. That is why I tell you that story. C'est pourquoi je vous raconte cette histoire. Of what happened to me when I was 25 years old. Qui m'est arrivé lorsque j'avais 25 ans. That's the biggest gift. Ça c'est le meilleur cadeau. God gave to me. Que Dieu m'a donné. It contained all my salaries. Ça contient tous mes salaires. All my cars. Toutes mes voitures. All my income. Tout mon revenu. All the people who work for me. Tous les gens qui travaillent pour All moi. All the people who love me. Tout le monde qui m'aime. Everything I have. Tout ce que j'ai. It was in that gift. C'était dans ce cadeau. Through the anointing. À travers cette onction. Through the anointing. À travers cette onction. I have everything that I have. J'ai tout ce que j'ai. And I experience everything that I experience. Et tout ce que j'expérimente. It was in that night. Était cette nuit-là. That gift. Dans ce don. That is why I recommend highest to you. C'est pourquoi je vous recommande cette chose, ce produit, le Macané. Listen. Écoutez. Always. Toujours. Listening. Toujours écoutez. Listening. Écoutez toujours. Soaking. Et imprégner. Watching. Suivre. DVDs. Des DVD. Think about it. Réfléchissez-y. Books. Des livres. That's why. C'est pourquoi. I don't gain anything when you buy. Moi, je ne reçois rien quand vous achetez mes livres. You will gain something. Vous allez gagner quelque chose. When you learn how to follow the anointing. Quand vous allez apprendre à Do suivre l'onction. Do you love the anointing? Est-ce que vous aimez l'onction? Stand to your feet, everybody. Levez-vous, tout le monde. Wow. Just thank God quickly. Remerciez Dieu. Commencez à remercier Dieu.
Commencez à remercier Dieu pour ces moments. Commencez à remercier Dieu pour l'enseignement. Remerciez Dieu. Ouvrez la bouche et remerciez Dieu. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Merci de nous avoir enseigné sur l'onction qui fait la différence. Seigneur, je désire l'onction. Seigneur, je veux cette onction qui fera la différence dans ma vie. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, oh Dieu. Tu es Dieu, tu es grand. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Que ce n'est pas l'argent qui compte. Ce n'est pas les gens qui comptent. Mais c'est ton onction qui est importante. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te bénis. Je te remercie, je te bénis, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton onction. Je désire cette onction. Je cherche cette onction. Je veux cette onction. Oh Dieu, remplis-moi. Remplis-moi par ton onction. Remplis-moi, Seigneur. Thank you for the anointing. Merci pour l'onction. Merci, merci. In Jesus' name. Pour l'onction au nom de Jésus. Amen. Amen. You may be seated. Asseyez-vous encore, s'il vous plaît. Wow. Wow. Now, I said that was the last thing, but I want to say one more thing. Je disais que c'était la dernière chose, mais il y a encore une chose que je vais vous dire. The mega church. La méga église. Church growth. Et la croissance de l'église. Yeah. Guinea needs big churches. La Guinée a besoin de grandes églises. The churches in Guinea are too small. Les églises en Guinée sont trop petites. True or not true? C'est vrai ou pas vrai? Therefore, donc, this must be the most important subject for you. Ça doit être le sujet le plus important pour vous. Mega church. La méga église. Church growth. La croissance de l'église. About 23 years ago. Entre 23 et 26 ans de cela. I made a banner in my church. J'ai créé une bannière dans mon église, un drapeau. And I wrote. Et j'ai écrit. The mega church. La méga église. Somebody saw it. Quelqu'un l'a vu. Why? Il a dit pourquoi? How do you say your church is mega church? Pourquoi tu dis que ton église est une méga église? Is the church a mega church? Ton église c'est vraiment méga I ton said, église? It is my belief. J'ai dit ça c'est ce que je crois. It's my belief. C'est ce que je crois. That it is a mega church. Que c'est une méga église. I wrote it more about 23 or 24 years ago. Je l'ai écrit il y a 25 ou 24 ans de 23 ou 24 ans de cela. People criticized me. Les gens m'ont critiqué. But today, mais aujourd'hui, it's a mega church. C'est une méga église. And it's getting bigger. Et ça devient plus de plus en plus grande. You listen, every pastor. Écoutez, tous les pasteurs. Here, I want you to have this gift. Je veux que vous ayez ce livre. Sleep with this book. Faut dormir avec ce livre. The mega church. La méga église. Sleep with it. Dormez avec le livre. And this one. Et ce livre. Marry them. Et épousez-les. Eat them. Mangez-les. Every day. Tous les jours. Something small. Quelque chose, une petite partie. God will anoint you. Dieu va vous oindre. And show you how to have a mega church. Et vous montrer comment avoir une méga église. One day I met a man from Kenya. Un jour j'ai rencontré un homme un Kenyan. He said, "Please, you don't know me." Il a dit, s'il vous plaît, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. He said, "Somebody gave me this book." Il a dit, quelqu'un m'a offert ce livre. He said, "I didn't know you have written any other book. I thought you have only written this book." Et je ne savais pas que vous aviez écrit d'autres livres. Je connaissais seulement ce livre. I read it and I followed everything in it. Je l'ai lu et j'ai tout suivi à la lettre. I started a church with my wife in the sitting room. J'ai commencé une église avec mon épouse dans le salon. He said, "Today." Et il dit aujourd'hui. Everything we do from this book. Tout ce que nous faisons à partir de ce livre. And he said, "Today we have 700 people." Et aujourd'hui, sitting in the church on Sunday morning. Nous avons 700 personnes assises le dimanche dans mon église. 700 is a lot of people. 700, c'est beaucoup de personnes. Je croyais que vous alliez acclamer. We have here 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8. 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 9, 10, 10 11, 12, 12, 13, 14. 13, 8 14. Times 14 is what? 8 fois 14, ça fait? 112. 112.
All here is 104. Tout ça ici, jusqu'ici. And the man has 700 people. Il a 700 personnes. That are sitting in the church. 700. Dans son église dimanche. From here to here is 112. Du devant jusqu'à là-bas, au 12e rangée, c'est 112. This is the miracle God gave him in Nairobi. Ça, c'est le miracle que Dieu lui a donné à Nairobi. So when I'm showing you something, donc quand je vous montre quelque chose, it is you. C'est à vous. God wants to bless you. Que Dieu veut, c'est vous que Dieu that veut bénir. Is how I became a pastor. C'est comme ça, moi, je suis devenu through pasteur. Books, à travers les videos, livres. Et des vidéos and tapes. Et des messages. May the anointing of the Lord come upon your life. Que l'onction de Dieu tombe and sur votre vie. Ministry never be the same et again. Que votre ministère ne soit in jamais Jesus le même. Name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Stand to your feet, everybody. Levez-vous, tout le monde. Wow. Wow. Lift your hand and thank the Lord. Levez les mains, remerciez Dieu. Father, thank you for your great blessing. Merci Seigneur pour ta grande great bénédiction. Anointing. Merci Seigneur pour cette grande anointing. Bénédiction. Pour cette grande onction. Your merci. Great power. Merci pour ta grande puissance. Your great power. Pour ta grande puissance. Your great power. Pour ta grande puissance. Your great power. Pour ta grande puissance, it's Seigneur. Upon me now. Qui est sur moi maintenant. Your great power. Pour ta grande puissance. It's upon me now. Et sur moi, Seigneur. I receive it. Je le reçois. I thank you for it. Je te remercie pour I cela. Love you for it. Je t'aime pour cela. I worship you for it. Je t'adore pour cela. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui Seigneur, je te remercie. Oui, je te remercie. Continue à remercier Dieu. Continue à remercier Dieu pour son onction, pour sa puissance. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Put your hand on your heart. Mettez la main sur votre cœur. Father, we lay hands on the people. Père, nous imposons les mains sur les gens. Your power and anointing. Nous impactons votre puissance et votre onction. Receive the grace of God. Recevez la grâce de Dieu. Receive the grace of God. Recevez la grâce de Dieu. Receive the grace of God. Recevez la grâce de Dieu. Receive the humility of God. Recevez l'humilité de Dieu. To walk in a great anointing. Pour marcher dans une grande onction. A new anointing. Et une nouvelle onction. In Jesus' name I Au pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. God bless you. You may be que seated. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous.